faire de la régularité sur route. Bonjour les passionnés automobiles. Bonjour, alors c'est comment votre prénom? Bonjour, je m'appelle Philippe. Enchanté, on est à bord de quelle voiture? On est d'abord d'une 944 Porsche de 1984. Et du coup, ça devrait avoir combien de chevaux? Ah, il y a 163 chevaux. D'accord, c'est voilà. Propulsion, traction. C'est traction. C'est tout à fait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle un transaxe. D'accord. Et du coup, voilà, là... donc ça veut dire que... On a la boîte qui est à l'arrière, il y a tout un système qui permet que la voiture soit bien équilibrée et qu'il y ait une bonne répartition des poids, ce qui est très différent de la 911 où tout le poids est à l'arrière. D'accord. Et du coup, elle est toute d'origine alors? Elle n'est pas complètement d'origine, ça c'est pas le volant d'origine. Donc ça, c'est les phases 1, et les phases 1, c'est celles qui ressemblent à l'intérieur au 924. Et à partir de 85, juste quelques mois après celle-là, on est passé au nouveau modèle, où là, ça fait une sorte de tableau de bord un peu ovale, comme ça. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on appelle les phases 2. Donc ça, c'est vraiment les toutes dernières 944 avant que ça passe en phase 2. Et donc là, c'est un covering carbone ou c'est d'origine ça? Non, c'est juste comme ça. Quand je l'ai acheté, c'était déjà comme ça, ouais. Ça marche. Bah, je vous remercie pour la session en tout cas. Je vous en prie. Bah, du coup, c'est une propulsion. La 944, c'est un système de transaxe. Là. Et donc le transaxe, c'est-à-dire que le moteur est bien à l'avant, mais toute l'énergie est passée à l'arrière, la boîte est derrière moi. Et ce qui fait qu'il y a un bon équilibre au poids entre le moteur et la boîte de vitesse, et c'est bien une propulsion. D'accord, ça marche. Ciao les amis, ciao. On a confiance, on va repartir et comme dit mon pote Frédéric là, de la passion automobile, il faut toujours avoir de l'espoir. Ciao, ciao. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, La Passion Automobile, ma page Facebook, La Passion Automobile et mon Instagram, La Passion Automobile. Allez, ciao, ciao.